tu fais pour les vacances? Je n'ai pas changé la. Vous êtes là? Ça tombe bien? On va manger Burger King! Et bonjour tout le monde, c'est Azay, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, on va manger Burger King. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé chez eux, j'ai très très faim. Vous êtes nombreux à m'avoir dit goûte le long chili, goûte le long chili. Donc c'est parti, on va goûter le long chili. Donc on a toujours un petit Coca Zéro qui va bien, ça on change pas. Hop, on va sortir tout ce qu'on a de bon. Donc j'ai été chercher Burger King. Mon Burger King est vraiment pas à côté non plus. Je me suis levé ce matin, j'avais une envie de Burger King. Donc du coup, je me suis dit c'est parti. En sauce, on s'est pris une petite sauce piquante et une petite sauce aigre douce qui vont bien. En plus, c'est du Heinz, c'est ça que j'aime bien aussi chez Burger King. Et donc on va sortir tout ce qu'on a pris de bon. Donc du coup. On a le long chili qui est ici. On a un petit cheeseburger qui va bien. Et on a les onion rings. Ouais, parce que quand on va chez Burger King, c'est onion rings. Y'a pas photo, putain, les onion rings, mais c'est trop bon. Alors, on va déballer tout ça. Oh. Pas mal. Avec les petits piments et tout, là, vous savez que moi j'adore les piments. On va tout déballer, hein. On va se faire un petit plateau repas. Hop, le petit cheese qui va bien, donc petit cheeseburger. Et les petits onion rings. Bon, on va commencer par le petit cheese. Cheese qui va bien. C'était bien un petit Burger King de temps en temps quand même. Hein. J'aimerais bien en avoir un plus près de chez moi, malheureusement. Bon, il n'est pas non plus extrêmement loin, mais il n'est pas à côté quoi. On va dire que c'est déjà bien d'en avoir de nouveau en France, hein, parce qu'avant, le plus près, il était en Allemagne ou ce genre de choses là. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'ancienne, à chaque fois que je partais, mettons en Allemagne ou en Hollande ou quoi, la première chose que je faisais, c'était d'aller chez Burger King. Parce qu'on n'en avait plus en France. Moi j'avais connu quand j'étais petit encore Burger King, quand ça existait encore en France. Et quand ça a disparu, bah j'étais triste parce que moi j'aimais bien. Mes parents, mais pas trop. Mais moi j'aimais bien. Dès que j'allais à l'étranger, voilà, j'allais en Allemagne, Pays-Bas ou quoi que ce soit, direct, première chose, hop, on s'arrête Burger King. Les onion rings, c'est tellement bon. Ça change un peu les frites. C'est vrai qu'on mange toujours des frites, alors que là on a la possibilité de manger des petits onion rings. Bon, après, faut aimer l'oignon, c'est sûr, hein. Mais j'aime bien, ça change, c'est comme chez KFC, des fois de temps en temps je prends le maïs aussi, ça change aussi. Bon alors on va attaquer notre sandwich là. Regardez-moi ça là. Pas mal, pour l'instant j'ai pas encore croqué dans du piment, mais je vois il y a des gros morceaux de piment. Petite sauce avec est très bonne. Ouais, elle pique bien, ça va hein. C'est trop bon. Franchement je vais en parler à mon père qui aime bien pimenter. Parce que là, avec les piments et tout, c'est trop bon. Et la petite sauce qu'il y a avec est bonne. Franchement, vous avez assuré. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit goûte long chili. Et bah, vous avez assuré. Mmh. Franchement, je kiffe. C'est rare d'avoir des trucs comme ça avec du piment en plus. C'est vrai que chez Subway, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai des gros morceaux de piment. Mais en règle générale, t'en as pas. Si de temps en temps, sur certaines pizzas, tu peux avoir un peu du piment. Mais t'en as pas partout. Et ça, franchement, c'est top. Du coup, j'espère qu'il va rester un moment parce qu'il est vraiment bon. N'empêche, franchement, regardez, il y a des beaux morceaux de piment et il blague pas, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est un des meilleurs que j'ai mangé chez Burger King. Mais en tout cas, celui-ci là, le long chili, je valide, mais à 300%, quoi. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, franchement le sandwich était vraiment très bon, très bonne dégustation, un petit Burger King de temps en temps ça fait toujours plaisir, dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez d'autres sandwichs, que ce soit chez BK ou dans d'autres fast-food, ou même pas forcément dans du fast-food, hein, mais vous avez d'autres dégustations, que vous avez envie de me voir manger, vous dites tout ça dans les commentaires, vous avez l'habitude, lâchez le petit pouce qui va bien parce que ça fait plaisir, et nous on se retrouve très bientôt que ce soit du live ou des vidéos, ciao tout le monde.